aujourd'hui on se retrouve sur les installations du club de Oni dans le 57. Donc on a rassemblé les meilleurs joueurs issus des tours départementaux, donc des 4 districts lorrains, donc Vosgien, Meusien, Meurthe-et-Mosellan et Mosellan. Donc on a réuni environ 50 joueurs pour permettre de mettre en place une évaluation pour la suite de la sélection U14 garçons. Ça fait le troisième tour de la détection du district que j'intègre. Moi j'aimerais bien intégrer le prochain tour. Et si aller plus loin, ça serait pas mal. Donc il y aura un deuxième tour territorial qui aura lieu à la fin du mois de mars. Et à l'issue de ce deuxième tour, on rassemblera les meilleurs joueurs des 3 territoires du Grand Est pour un stage régional au Crêpes de Reims durant les vacances d'avril. À l'issue de quoi on mettra en place 2 rencontres de préparation, le 4 mai à Metz, le 25 mai à Strasbourg, et on participera aux interligues qui auront lieu à Grand-Villard en Bourgogne-Franche-Comté début du mois de juin. C'est plus intense et c'est plus rapide, parce qu'il y a d'autres joueurs et tout, on ne se connaît pas forcément. On a démarré donc les premiers tours dans les départements, donc c'est des garçons qu'on suit déjà depuis plusieurs dates. Avec un accompagnement aussi dans les staffs, puisque chaque district amène un représentant de telle sorte à ce qu'on puisse avoir une vraie visibilité sur les joueurs sur le long terme et que ce ne soit pas une évaluation sur un instant T. On laisse la possibilité aux garçons de parfois se tromper, d'être dans un jour un peu moins bien. Donc c'est une évaluation sur le long terme.